la chapelle de Mardor, donc nous sommes au nord-ouest du département du Rhône, petit village de montagne, de moyenne montagne. Nous sommes sur les hauteurs du Beaujolais, ce qu'on appelle le Beaujolais vert, au-dessus des vignes, commune d'un peu plus de 200 habitants, et près du lac des Sapins, 4 km du lac des Sapins. Et cette opération donc a commencé, première opération avec l'OPAC, en 1997. L'école du village, elle est fermée. Il y avait moins de 10 enfants à l'école. Et nous avions à l'époque rencontré donc le directeur de l'OPAC, son président, qui était déjà Michel Mercier, le président du conseil général de l'époque, pour trouver une solution et revitaliser notre village. Et il nous semblait que le locatif répondait donc à cette problématique, puisque les gens changent régulièrement et qu'il y aurait toujours des enfants à l'école. Et donc cette première opération a réussi en 1998. Il y a eu 4 logements qui ont été construits, maisons individuelles. Et donc nous avons pu faire que l'école se redynamise 5 ou 6 ans après. Et même maintenant, elle est tellement dynamique que nous avons retrouvé 2 classes et 35 élèves à l'école pour 200 habitants, ce qui est un ratio assez impressionnant. Alors la deuxième tranche OPAC, c'est vrai que quand on a en 1998 fait la première opération, elle devait être de 7 logements. Il y a eu 4 logements réalisés, donc on a sollicité, disons, pendant de nombreuses années, une tranche suite. Bon, ce qui a été un petit peu compliqué, qui a pris des années, mais on tenait vraiment, parce qu'on voulait encore amener de la jeunesse dans cette commune, faire une autre opération. Il nous restait une partie de terrain au lotissement communal, puisque à l'origine, en 98, les locataires, eux, avaient demandé à construire sur les terrains au-dessus des logements sociaux. Donc ce qu'ils ont tous fait, tous les locataires OPAC ont construit. Et donc on a voulu réaliser à nouveau des tranches. Le terrain était très compliqué. Ce n'est pas M. l'architecte, M. Chazalon qui me contradira. Et puis on avait envie de construire dans ce site naturel qu'est la chapelle de Mardor, respecter la nature. Et on est dans un programme global aussi d'éco-territoire pour le Beaujolais vert sur donc des programmes européens. Et on voulait mettre en valeur tout ce qui était bois, éco-construction. On a présenté 3 esquisses en fait. Une première de logement individuel qui s'égrenait le long des courbes de niveau du terrain. Une deuxième plus groupée de ces mêmes logements individuels qui donnaient aussi sur la pente. Et la troisième qui a été réalisée, qui était du collectif, qui permettait d'avoir des bâtiments plus compacts au regard du programme et du coup d'amoindrir les coûts de construction. L'OPAC du Rhône dissocie la partie construction logement simple et la commune, en contrepartie de recevoir ces logements, s'occupait des verts des voies de la voirie, des réseaux et divers. Il s'agit essentiellement sur ce site de la gestion de la pente, puisqu'au total, c'est une pente moyenne de 25 à 30%. Et installer des logements descendants à l'intérieur de cette pente n'était effectivement pas évident. La principale façon de récupérer de la surface sur des terrains en pente, ça a été effectivement de réaliser les encorbellements sur la pente. Ensuite, articuler des espaces de convivialité, les entrées qui sont situées derrière, la cage d'escalier descendante, la distribution des logements, et rentrer jusqu'à l'intérieur des logements en déclinant les pièces qui soient à la fois traversantes au R-1, de façon à avoir un logement en contact complet en fait, avec le terrain. Et ensuite, à l'étage, de répartir au fond du talus l'accès au terrain et en même temps, dans l'encorbellement, le point de vue sur la vallée. Bien que ce soit du logement collectif, 2 des 3 logements ont un accès direct au terrain malgré la pente. Prioritairement, bien entendu, pour toujours garder un niveau d'élèves à l'école, donc c'est peut-être pour des jeux de ménage, hein. Mais les T3, qui sont complètement accessibles à mobilité réduite, sont en priorité pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. C'est vrai que sur le village, alors ici les personnes âgées sont encore très propriétaires de leur maison, mais sont habitantes dans les hameaux, puisqu'on a plus de 20 hameaux sur 576 hectares. C'est vrai que le fait de revenir en centre-village, ça peut répondre à un besoin en vieillissant.
concevoir du collectif en milieu urbain, ou du collectif mesuré en tout cas, en milieu rural ou en milieu urbain, c'est relativement équivalent finalement. Ce qui était intéressant ici, enfin, dans ce milieu rural, c'était du coup plus de gérer ces questions d'impact, d'entrée de ville, comme on l'a évoqué, enfin d'entrée de village au cas particulier, et son rapport à l'environnement, simplement.